Le jour des élections approche. Voici comment voter de façon électronique. Présentez-vous à l'entrée du bureau de vote et allez à la table des assesseurs. Donnez votre convocation et votre carte d'identité au personnel du bureau, qui active une carte à puce qu'il vous remet. Vous pouvez vous rendre jusqu'à l'un des isoloirs. Insérez votre carte à puce dans l'ordinateur. Un LED clignotant ou un symbole vous permet d'identifier l'endroit où vous devez introduire cette carte. Veillez à l'insérer dans le bon sens, c'est-à-dire carte à puce et flèche vers le haut. Une ligne de marquage vous indique jusqu'où vous devez placer votre carte. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran. Commencez d'abord par sélectionner la langue de votre choix et confirmez. Choisissez votre liste. Si vous avez fait une erreur, il vous est possible d'effacer votre choix. Ou vous pouvez confirmer votre choix. Choisissez vos candidats. Ou votez en tête de liste. Bien sûr, en cas d'erreur, vous pouvez annuler votre sélection et recommencer. Pour cela, il vous suffit de cliquer une seconde fois sur votre sélection. Pour changer de liste, vous devez utiliser la touche « Écran précédent ». N'oubliez pas, à la fin du vote, de cliquer sur « Confirmer votre vote » à droite de l'écran. L'ordinateur imprime un bulletin de vote que vous devez scanner à l'urne. Pliez le bulletin de vote avec la face imprimée vers l'intérieur. N'oubliez pas de retirer votre carte de l'ordinateur. Vous pouvez à présent quitter l'isoloir. Si vous voulez vérifier votre vote, allez à l'isoloir de vérification et scannez votre vote. Vous pouvez maintenant voir votre bulletin à l'écran. Les résultats affichés sont les mêmes que ceux de la version papier. La fin de l'opération vous est renseignée à l'écran et s'efface au bout de quelques secondes. Rendez-vous ensuite à l'urne électronique, munie de votre carte et bulletin de vote. Attendez derrière la ligne que la personne devant vous termine le scannage. Lorsque la place se libère, remettez votre carte de vote à l'assesseur, ouvrez votre bulletin de vote et scannez-le en plaçant la face imprimée du bulletin vers le bas. Un signal sonore confirme que votre vote a bien été scanné. Après un très court laps de temps, le clapet de l'urne s'ouvre automatiquement. Glissez-y votre bulletin de vote après l'avoir replié avec les données inscrites à l'intérieur. Une fois ces étapes franchies, vous récupérez votre carte d'identité et votre convocation cachetée auprès de l'assesseur. Vous avez voté.